C'est un dinguerie, les gars. Lamine Yamal, il leur a fait mal. C'est quoi ce délire? À 16 ans, deux passes décisives. L'Espagne a gagné 5-1 contre l'Irlande du Nord. Donc voilà quoi. Lamine Yamal, il a fait un très grand match en fait, les gars. Et on s'est régalé. C'est quoi ce délire, la vision de jeu? Franchement, il fait des passes millimétrées, récupération, pressing. Franchement, il a tout fait dans ce match, moi je trouve. Donc voilà quoi. Après l'entraîneur, il a managé, il a sorti à la 74e minute de jeu, je crois. Donc voilà quoi. Lamine Yamal, les gars, c'est un crack. C'est un truc de ouf en fait. Donc voilà, comme je l'ai dit, et j'espère qu'il va continuer comme ça, qu'il va réaliser un beau championnat d'Europe. Parce que déjà qu'avec le Barça, il a fait une bonne saison. Honnêtement, il a joué beaucoup de matchs. Une cinquantaine de matchs, les gars, c'est dingue à 16 ans, j'ai jamais vu ça. Donc il va enchaîner l'Euro avec. Et là, ce soir, là, il leur a donné deux maux de tête en fait. Lamine Yamal l'aura fait mal. Ça arrive bien. Donc bravo à l'Espagne. Pour moi, ils sont prêts pour l'Euro. Donc voilà. Pedri aussi, il a marqué un doublé. Morata qui met la tête. Arzabal aussi qui marque sur un service de Yamal. Nico Williams sur le côté aussi, il fait mal. Donc moi je trouve en fait c'est juste la défense de l'Espagne, elle est pas très solide pour moi. Donc voilà quoi, même elle est un peu lente, je trouve. Et c'est juste leur seul bémol. Mais sinon le terrain ça va. Ruiz aussi il est un peu lent. Pedri ça va, ça passe. Et Rodri. Mais Lamine Yamal les gars. Allahumma barik. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Et espérons qu'il va continuer sur cette voie-là, qu'il va s'améliorer, qu'il va encore marquer plus de buts et de passes-dé.